Hello tout le monde, c'est TheSysMaker, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment savoir quels sont les abonnés, donc vos fans, hein, qui regardent plus vos vidéos, donc la participation de leurs likes, de ceux qui commentent, ceux qui regardent vos vidéos, etc. Et vous pourrez voir aussi avec cette astuce quels sont les abonnés que vous avez eus en premier et quels sont les abonnés que vous avez vus que vous avez eu récemment. C'est-à-dire si par exemple quelqu'un un jour voulait faire un concours ou je sais pas, ou peut-être un remerciement à votre tout premier abonné, ben vous pourrez. Voilà. Donc pour commencer avec cette astuce, vous allez cliquer ici sur votre chaîne et vous cliquez sur paramètres YouTube. Et ici vous cliquez sur afficher les fonctionnalités supplémentaires. Alors ensuite, donc moi j'ai mis pause et je me suis retrouvé ici parce que tout simplement j'ai pas eu qu'on voie des informations que vous n'avez pas à voir dans les paramètres de la chaîne. Donc normalement vous tomberez sur les paramètres de la chaîne et vous cliquerez sur communauté tout simplement. Et ici vous cliquez sur fan. Alors après, donc voilà. Et donc là, il s'agit d'une liste mise à jour quotidiennement qui répertorie les spectateurs les plus intéressés et les plus influents sur votre chaîne. Voilà. Donc en gros, voilà. Donc vous avez là, par exemple, pour cet abonné-là que j'ai ici, il y a un truc que je comprends pas. Dites-moi ce que ça veut dire le K. Hein, je ne comprends pas. Mais apparemment, il participe souvent et un abonné, il en a pas mal, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, il y a la participation. Donc là, comme on peut voir, la barre est assez. Donc plus la barre est haute, plus la barre va loin, plus la personne participe. Si la barre elle est courte, comme cette, il y a quelques personnes qui ont. Voilà, enfin voilà. Bon, ensuite il y a les commentaires. On peut voir les commentaires qui ont été récents. Normalement ici il y a les commentaires, bah, apparemment il n'y a pas eu, ils ont pas mis. Il y a eu des problèmes apparemment. Donc voilà, les commentaires récents. Donc là il y a pas, là je peux voir qu'il n'a pas commenté de vidéo récemment. Et là, abonné depuis le 9 décembre. Donc en gros, depuis pratiquement un an, puisque je suis sur YouTube depuis le 31 décembre 2012. Voilà. Donc voilà, il y a pas très longtemps qu'il est abonné à ma chaîne. Voilà, donc voilà, merci vraiment à lui. Et voilà, donc là, on peut voir vraiment tous les abonnés. Hein. Donc là, on a. Ça peut aller jusqu'au plus loin de 7, hein, ça va, voilà. Et ensuite, on peut cliquer ici, et on peut aussi cliquer sur date d'abonnement le plus ancien, jusqu'au premier, ou du plus récent en premier. Donc moi, ce que je veux, c'est le plus ancien qui apparaisse en premier. Donc vous cliquez dessus si vous voulez que c'est ça qui apparaisse. Alors voilà, donc mon premier abonné, hein, c'était lui. Voilà. Donc, c'est bon, j'enregistre. Donc, vraiment, merci beaucoup à Kent du 28, parce que vraiment, ça fait depuis le 4 mai 2013 qu'il s'abonne à ma chaîne. Donc, voilà, parce que je le répète, j'étais sur YouTube depuis le 12 décembre 2012. Non, 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 31 décembre 2012, pardon. Donc, en gros, 1er janvier, quoi. Donc, ça fait un an pratiquement qu'il me suit et je lui remercie beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Là ensuite il y a cette personne là, hein, qui est abonnée depuis le 10 mai 2013, donc ça fait pratiquement un an là aussi, donc voilà, il y en a pas mal. Et il y a peut-être un an quelque part pile poil, il y a pas un an pile poil, celui-là que ça fait presque un an, c'est peut-être attendez, il y a 4 juin, donc c'était lui en dernier pour le mai, voilà. Donc, pas encore en octobre. Et voilà. Donc, en octobre, enfin voilà. C'est bien de voir qui, depuis quand des personnes se sont abonnées à ma chaîne. Et ça fait vraiment plaisir parfois quand on voit voilà, toutes ces personnes. Et puis, avec cette astuce aussi, vous pouvez voir tous les abonnés que vous avez. Et ça fait vraiment très très plaisir. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et bien entendu, partagez cette vidéo autant que vous voulez pour montrer cette astuce à des youtubeurs qui débutent. Voilà. Et puis voilà. N'hésitez pas à lâcher aussi un commentaire et à vous abonner à ma chaîne, les gens. Allez, ciao et bonne soirée.